escadron. Il y en a pour longtemps avant de passer. Nous, on meurt de froid. On doit faire attendre, car passer comme ça, c'est dangereux. Il y a toujours des soldats qui patrouillent le long de la frontière. Et ils ne badinent pas. S'ils nous trouvent, ce sera la corde. Pour nous tous. Ah, j'espère que non. Alors tiens-toi tranquille. Compris, Seigneur. Soldats. Plein de soldats. Ils sont loin d'ici? 2 miles. Peut-être 3. Faites comme prévu. Nada, seigneur. Est-ce que par hasard, tu ne sais pas si, dans les environs, un dénommé Santana n'a pas fait parler de lui? Si un jour il vient ici, donne-lui le bonjour de la part de son ami Brandon. Anda, hijo, pronto. Alors, dis-moi, tu vas te décider? Je te l'ai déjà dit. Je suis prêt à te récompenser. Utile, je connais pas Santana. Hey, on t'a réclamé un peu plus de vin. J'ouvre la porte tout de suite. Du vin. Tu sais où est Santana? Non. Il y a quelqu'un qui cherche Santana?
Ajoute ça sur le compte. Qu'est-ce que tu lui veux à Santana? Dis donc, je me sers un godet. Aujourd'hui, il fait pas très chaud. Et toutes mes fringues, c'est lui qui les a comme gage. Et tout ça pour 50 pesos que je lui devais. Il m'a pris ma chemise et mon pantalon. Si c'est pas malheureux. Je pense que toi et moi, on peut s'entendre. Tu paies les 50 pesos pour moi. Je remets mon pantalon et je te conduis là où tu peux retrouver Santana. C'est pas une mauvaise affaire, non? Felipe, donne-moi à boire et en vitesse. Ah, ça va mieux. Allez, filons. On les a eus. Maintenant, à toi de jouer. Alors, tu prétends que c'est ici qu'on va dénicher Santana. T'es certain de ne pas te tromper? Sinon, je te rends mon pantalon. Tu es bien sûr de toi, dis donc. Je crois que ton heure a sonné. Ça suffit. Vous feriez bien de vous tenir tranquille. Tu pourrais peut-être nous dire quand on va partir? Quand on sera débarrassé de Brandon, ce chasseur de primes. Tu n'auras pas longtemps à attendre, Santana. Mort ou vivant, tu es fait. Gringo, t'es devenu cinglé? On est trop nombreux, même pour un homme comme toi. Je t'aurais prévenu, Brandon. Tu es trop sûr de toi. Je ne peux pas laisser ce bandit nous narguer plus longtemps. Ce sera difficile de prendre Santana. Je le sais, il n'a pas hésité à massacrer froidement 50 peones pour mieux s'échapper devant une de nos patrouilles. Tenez, si vous voulez, Brandon pourra vous aider. C'est peut-être une idée. Un chasseur de primes?
Il n'en est pas question. C'est vous qui commandez. Allez, partons. À bientôt, shérif. Il a tort, le capitaine. Surtout que c'est un tireur extraordinaire. Bonjour, shérif. Salut, Brandon. T'as encore un cadavre dans ta charrette? Qui est-ce? Santana. Sans blague, entre vite. Dites-vous que je suis fermement décidé à exécuter les ordres qui m'ont été donnés. Je supprimerai coûte que coûte le trafic qui consiste à les recruter des péonnes au Mexique et à leur faire passer clandestinement la frontière. On les retrouve ensuite travaillant un peu partout dans vos fermes, toujours mal payés, maltraités, et vous osez prétendre que ce sont des paysans du Texas? Vous pensez que je suis complètement idiot? Capitaine, vous parlez de nos paysans sans rien connaître de ces hommes. Ainsi, vous nous accusez. Apprenez qu'ils sont très bien payés pour ce qu'ils font. Et pourquoi dites-vous que ce sont des travailleurs clandestins? Ce sont des Texans, puisqu'ils sont au Texas. Fargo a raison. Depuis la fin de la guerre de sécession, il n'y a plus moyen de trouver un noir qui soit disposé à travailler pour nous. On est donc bien obligé d'employer des paysans mexicains. Et pour nous, pourvu qu'ils travaillent sans histoire. La loi fédérale interdit d'employer des immigrants clandestins. Ça pourrait se comparer à l'esclavage. Il paraît qu'avec 100 dollars, vous pouvez pratiquement devenir propriétaire d'un péonné. Nous savons que ce trafic de chair humaine va jusqu'à l'assassinat. Capitaine, n'exagérez pas. Ben, ce ne sont que des histoires de bonnes femmes. Mais enfin, est-ce qu'on doit... Attendez, je n'ai pas fini. Alors. Vous ignorez sans doute qu'on vient de retrouver près de la frontière les corps de 50 péonnés assassinés. Le responsable de ce massacre a cru pouvoir ainsi s'échapper plus facilement devant une de nos patrouilles. Mais nous le retrouverons. Capitaine, vous pouvez toujours compter sur notre collaboration dévouée et patriotique. Il n'y aura jamais assez de soldats pour contrôler toute la frontière. C'est pas un travail bien facile. Ces bandits ont toutes les ruses. Et c'est pas avec des patrouilles qu'on réussira à empêcher le trafic. Il faudrait qu'on soit aidé par quelqu'un d'aussi malin que toi. Et comme je dis toujours, qui veut la fin veut les moyens. Un de tes copains était ici la semaine dernière. Le fameux gars du Montana, Murdoch. Alan? Oui, Alan, le prédicateur. Il m'a demandé des renseignements. Car il était à la poursuite de ce type-là. Tu vois, un certain Smart. C'est le cheval du prédicateur. Vite!
Ne cherche plus, Smart. Tiens, va encaisser ça à la banque. J'espère que tu es content. C'est en ordre, shérif. Mais tu oublies quelque chose. Et quoi donc, shérif? De me dire ce qu'est devenu l'or volé. L'or volé, ils ne l'avaient pas avec eux, shérif. C'est vrai que les morts, ça ne parle pas. Non. Ce sont des gens bien discrets. Oui, vous pouvez entrer. Sœur, il y a là deux gentlemen qui viennent faire un gros dépôt. Faites-les entrer. Je vous en prie. Vous désirez autre chose? Non, tu peux t'en aller. Écoute, Bert. Santana est mort. Alors je ne peux pas continuer. Je t'ai fait venir ici pour te dire qu'après le voyage de jeudi, il n'y en aura plus. Pourtant, patron... Tu vas m'obéir. Et pour éviter tout risque inutile, je surveillerai personnellement cette dernière cargaison. Après ça, j'irai te rejoindre à Nogales. On se partagera l'argent qu'on aura gagné. Tâche de venir avec tous tes gars. D'accord. Puisque vous le voulez. Moi, je vais prévenir les autres. Thank you.
Moulin, c'est à ton tour, prédicateur. Clic, chacun de son côté. Tu t'es trompé, Cisco. Tu as cru que tu avais gagné, mais tu n'es pas malin pour deux cents. Garde-les, c'est mieux. Je t'ai si peu aidé. Attends une minute. J'ai un bon boulot à te proposer. J'espère que tu accepteras de le faire. Écoute, il s'agit d'attraper quelques bandits dangereux du côté de Nogales. De quoi se remplir les poches, car je pense qu'on doit pouvoir y gagner au moins 20 000 dollars de primes. Et je crois bien qu'à nous deux, on n'en aura pas pour longtemps. Tu tires aussi bien que moi. Je le sais, si ce que tu dis est vrai, ça doit être une bonne affaire. Je suis d'accord. Mais je tiens à voyager seul. Demain, au Palace Hotel, au bar, à midi. Tâche d'être exact. Ça va, entendu, j'y serai. Ce n'est pas beaucoup, mais je ne peux pas faire mieux. Muchas gracias, señora. Alors, José, tu veux t'en aller de Nogales? Oui, parce que c'est la seule solution. Les Américains payent bien, tandis qu'ici, nous ne pouvons vivre qu'en mendiant. Et où ira-t-elle vivre quand tu seras parti? C'est que je compte bien lui envoyer un peu d'argent. Ah, je vois ça. Tu es décidé à t'en aller. Ça ne fait rien. En attendant, elle restera ici. Hey!
Pas garçon, que ton père était un voleur, t'as plus qu'à t'en aller, va-t'en. Disparais. Va-t'en. On a décidé que désormais ce salon était à nous, parce qu'il n'y a pas de raison que tu continues à t'enrichir sur le dos des autres. N'essaie pas de résister, pars. Va-t'en. T'en prie. Señor Fargo, on peut y aller. Les hommes sont prêts. Voilà ta paye, 50 pesos. Muchas gracias. Et toi, quel est ton nom? Pedro Hermosa. 50 pesos. Au suivant. Manuel Pereira. 50 pesos. Et ton nom? José Roja. Ils sont combien? 79. Pedro Barqué. Bien, c'est ta paye. Gracias, señor. Au suivant. Ton nom? Je voulais dire au revoir à ma femme. Querida. Je vous en supplie, Señor Fargo. Je vous en supplie, non. Je t'ai dit de t'en aller. Donnez-moi du travail. Vous verrez que je suis encore capable de faire quelque chose. J'ai une famille à nourrir. Inutile, Sanchez. Le Señor Fargo est insensible à la misère. Ton nom? Hernandez. Tiens, 50 pesos. Au suivant. Muchas gracias.
Pour l'intéresser, faut être plus jeune. Va. Oh, muchas gracias. Oh, gracias, señora. Oh, gracias, señora. Allez, va avec les autres. Au suivant, 50 pesos. C'est toi, ton nom? Ramirez González. Satisfaite? La terre où il travaille a besoin de bons bras. Et je n'engage que ceux qui sont capables et forts. Dis que tu essaies de gagner le plus d'argent possible. Est-ce que tu le fais exprès ou quoi? Tu veux te faire détester? Je voudrais que tu te décides. Tu dois attendre. Et être patient. Ah! Te quiero. Vamos, pronto! Quand vous voudrez, boss, nous on est prêts. Toi par là! Toi ici! Dépêchez-vous! Allez, en avant! Salut, Brandon. Est-ce que vous avez l'intention d'aller au Mexique? Oui, bien sûr. On dit qu'il y a des terrains de chasse fort intéressants. Vous en avez de la chance, Beau. On le dit aussi. Beau dégueulasse. T'as rien compris. Tais-toi donc, bougre d'imbécile. Si seulement on avait quelques types comme lui, bien ça irait mieux. Les Mexicains. Bill, allons, il faut se dépêcher. Descendez. Dépêchez-vous. Plus vite que ça. Allez, vous autres en vitesse. Passez les planches. Allons, dépêchons, tant qu'il n'y a pas de patrouille. Allez, montez. Allez, vas-y, toi. Encore toi. Tout est en ordre? Ça va y être, patron. Allons-y! Señor Fargo.
Arrêtez-vous! Halt! Bonjour, Seigneur Fargo. Nous avons l'ordre de fouiller toutes les voitures qui traversent la frontière. Excusez-moi, mais c'est une formalité indispensable. C'est fou, Sanchez. Il nous trouve. Je ne vous retiendrai pas longtemps. Juste un coup d'œil. Très bien, je vous remercie. Allons-y, sergent. Non, seigneur. Regarde celui-là, on dirait un oiseau de mauvais augure. La ferme. Tu devrais le connaître, il est fameux, c'est un tueur à gages. Il n'y a que les rançons qui l'intéressent. Femme à l'os. Touche pas. Je voudrais un verre de lait frais et une chambre. J'imagine que tu as une chambre à louer, non? Oui, bien, seigneur. Qu'on soit là. T'as entendu, hein? Un verre de lait frais. Ah, tu oublies ma chambre. Je suis désolé pour vous, mais tout est plein. Je ne peux donner aucune chambre. C'est défendu sans que monsieur Fargo permette de louer. Vous comprenez? J'ai des ordres, sinon je vous donnerai quelque chose. Alors, tu me donnes ma clé? Ah.
Eh bien, qu'est-ce que tu attends qu'on soit là? Passez par là! Il a dû aller vers le village. José! 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 Oh, qu'est-ce qui t'est arrivé, mon amour? Oh, mon chéri! Les soldats! Oh non! Ils les ont tous massacrés! José! Ti quiero! José! Arrête-toi! Cours! Attends, tu vas voir, sale chien! Ça suffit. Qu'est-ce que tu lui veux? Pourquoi est-il terrorisé? Ce sont pas tes affaires, signora.
Étranger, tu n'as pas à te mêler de mes affaires. Alors c'est vous le fameux Brandon. On raconte que vous tuez sans pitié pour toucher les rançons. Je poursuis des assassins. C'est pour cette raison que je suis ici, pour le Seigneur Fargo. C'est impossible. Fargo. Tu l'as rattrapé ? L'as-tu descendu? Dans le village, c'était pas facile. Et alors? Qu'est-ce qu'il est devenu? Je sais pas. Par hasard, il y avait l'un de ces fameux chasseurs de rançon qui tirent plus vite que nous. Un certain Brandon. Encore un. Ce n'est pas par hasard qu'il est ici. Avec toutes ces rançons que vous avez sur vos têtes, il y a de quoi les attirer. Jusqu'ici, je vous ai bien protégé. Et maintenant, à vous de montrer ce que vous savez faire. Trouvez ce Brandon. Amenez-le ici, j'ai envie de le connaître. Je voudrais qu'il fasse des excuses. Et après, vous pourrez le transformer en passoire.
Tu as tort d'éteindre. Je déteste manger dans le noir. Ton dîner est fini. Tu ferais mieux de pas essayer. T'as aucune chance. Toi, la fille, sors d'ici et vite. Et toi, bouge surtout pas. Tiens, éteins-la tes chandelles. Je jure qu'ils le paieront cher, José. Et tout d'abord, Fargo. Et où sont les preuves contre ce Fargo? Il nous faut des preuves, sinon adieu la rançon.
preuves, on en trouvera. Ouais, c'est moi qui te le dis. Ta gueule, tête de mule! Pas besoin de votre artillerie. Je te cherchais, j'ai toujours une vieille dette à régler. Qui paye ses dettes s'enrichit. Imbécile! Vous faites les malins quand il faut pas. Mais devant un tireur habile, alors là, c'est fini! Dire que j'étais stupide au point de croire que vous pouviez régler cela tout seul. Il faut donc toujours vous dire ce que vous avez à faire, sinon c'est raté. Quand est-ce que vous apprendrez à réfléchir avant de vous lancer tête baissée? Écoutez-moi bien. Señor Fargo, tenez, je vous en prie, asseyez-vous. Laisse-nous seuls. Mais oui, bien sûr. Tout de suite. Vous pouvez peut-être gagner, vous pouvez perdre aussi. Pourquoi ne pas s'entendre? Ce serait mieux, non? Commençons à raisonner un peu. Nous avons un intérêt commun. Les hommes qui travaillent pour moi. Seulement, il y a une différence. C'est que vous, vous voulez les tuer et que moi, je tiens à les garder vivants. J'imagine que vous savez combien rapporterait la rançon de toute la bande une fois détruite. Où veux-tu en venir, dis? Facile à comprendre. Pour vous, ce qui compte, c'est l'argent. Donc, je vous offre une somme supérieure à celle que vous toucheriez en tuant mes hommes. Mais à une condition. C'est que j'ai votre parole de ne plus vous revoir ici. Je vous offre 20 000 $. Et vous trouvez que ça suffit? Alors, disons, 20 000 pour chacun. D'accord. Buenas dias, señora. Ça tiendra, c'est du solide. Ils en ont fait un beau bord. Je veux dire, un beau désordre. Dites à votre ami de ne plus s'occuper de moi. Je suis assez grande pour me défendre. Oui, mais lui s'intéresse à ce que vous faites. Rendez-vous compte que ceux qui sont venus tuer José pourraient bien vous refaire une petite visite. J'ai peur que vous ayez raison. Je vous suis reconnaissante de vouloir aussi m'aider. Bah voyons, c'est bien naturel, je peux pas vous laisser toute seule. Eh ben. Ouais. Notre patron demande que vous veniez le voir immédiatement.
Elle restera ici. Tout, Wolf. Voilà. Si vous désirez vérifier. Allez-y. Mais n'oubliez pas une chose. J'ai votre parole. Vous disparaissez. Encore vu personne sur la route. Merde. Il ne devrait plus tarder. Allez vite prendre vos postes. Moi, je vais jeter un coup d'œil. C'est le seul chemin qui traverse la passe du Devil Canyon. J'imagine qu'ils vont essayer de nous surprendre par les hauteurs. Je reste ici pour pouvoir te couvrir. Oui, comme tu veux. Je suis mieux armé que toi pour tirer à distance. Vas-y. Et bonne chance. À toi aussi. Maya, je t'ai demandé de venir. Je veux enfin y voir clair. On dirait que tu veux te faire mépriser, car tu commences par me brutaliser, puis tout devrait être comme avant entre nous. Ce qui est clair, c'est que je suis ta prisonnière. Alors, qu'est-ce que tu veux de moi? Tâche donc de comprendre que je sais attendre longtemps, quand il le faut. Et j'espère qu'un jour, tu pourras changer d'attitude à mon égard. Je vois que tu te fais beaucoup d'illusions. C'est parce que toute ma vie est en jeu, et toi, tu es ma meilleure carte. Ton jeu est truqué, Fargo. Thank you.
cher salaud! Sale chien, tu veux te défiler? Allez, montre-toi! Brandon! Salaud! Où es-tu? Brandon! Où es-tu? Tu n'emporteras pas en paradis. Tes amis étaient impatients, Brandon. Pour 40 000 dollars, tu comprends ce que c'est. Ça n'est pas trop toute une vie pour amasser une telle somme. Qu'est-ce qu'une vie à tes yeux, Fargo? Laisse-la s'en aller. Et qu'offres-tu en échange? Non. Laissez-la s'en aller. T'as eu tort de venir. Va-t'en d'ici. Il n'y a aucune raison que tu te mêles de ça. C'est une erreur, Fargo. Une grossière erreur. Tu n'aurais pas dû la laisser partir. Allez, pose ton revolver. Thank you.
Ne crois pas que tu vas t'en tirer comme ça. On n'insiste pas, veux-tu? Je sais ce qu'il reste à faire. Hé, vous autres, ne bougez pas. Écoutez bien et tâchez de comprendre ce que je vais vous dire. Jetez vos armes et écartez-vous. Alors, ça te va? Allons-y. Si vous essayez encore, je le tue. Martin! Donne-moi un fusil. Oui, tout de suite. Miguel! Oui, patron. L'homme à l'intérieur, c'est lui qui a tué ton frère. Il est à toi. Et puis ne te gêne pas, fais-lui passer le goût du pain. Je vais lui faire passer. Alors, le chasseur de primes. Qu'est-ce que t'attends pour courir? Pas pressé pour aller en enfer, un salaud. Par ici, vite. J'ai l'impression qu'il n'aime pas ça du tout. Ça va. Qu'il vienne par ici. T'es fatigué? Pas trop, j'espère. Il faut que tu creuses ta tombe. Thank you.
mois, ça sera pas suffisant. C'est que pour deux, il faut faire un grand trou, amigo. Tu vas pas être seul. Tiens, les chevaux sont nerveux. Le Franco sera bientôt là. Oh, je crois qu'il va pas tarder. C'est dur, hein, gringo? Tiens, prends ça, c'est bon à boire. C'est bon la tequila, non? Dis, détache-moi. Pourquoi ris-tu? T'as tort de te méfier. Tu sais, je crois que tu ferais mieux de te taire si tu tiens à la vie. Ah.
Ça continue comme ça, il nous aura. T'as raison, Sam. Je crois qu'on peut pas attendre plus longtemps. Toi, couvre-moi, je prends le risque. Allons-y, vous autres. De la maison. Attendez. Laissez-le-moi. J'ai quand même eu peur pendant quelques secondes. Je suis ton associé. Et tu n'as pas confiance plus que ça? En tout cas, il était temps. Allons faire nos comptes. Et ensuite, séparons-nous vite comme convenu. Très bien. Celle-là, mon vieux, tu devrais t'en débarrasser. Est-ce que t'es cinglé? Tu sais pas que je dois me marier avec elle bientôt? Et Brandon, qu'est-ce qu'on en fait? Il n'y a plus de problème avec lui. Il est dans les mains de Miguel. J'ai gagné, tu vois, Maya. Et qu'est-ce que ça prouve, tout ça, Fargo? Ça prouve bien que je suis le plus fort. Pas pour moi. Car je te déteste plus qu'avant. Il y en a pour longtemps encore. Il n'y a rien à craindre. On n'est pas pressé. Crois-moi, notre coup était bien monté. On ne doit plus rien à personne. C'est à cause de Maya que je suis inquiet. Laisse-moi faire.
Elle fera ce que je veux. Brandon, il nous a roulés. Chercher. Tu as la vie sauve et un tas d'argent. Qu'espères-tu encore? Et tu penses que c'est surtout l'argent qui m'intéresse, Fargo. Tu ne veux donc rien comprendre à ce que je vois. Je vais vous livrer tous les deux à la justice. Sauf si vous me forcez à vous tuer. Ça t'est facile avec cette arme. Rengainez vos revolvers, après on verra. Thank you.
Eh ben, avec ça et avec l'argent des rançons, on aura de quoi vivre largement le restant de nos jours. Tu sauras quoi en faire. I feel like you are running.